Ma barbe a enfin poussé. Pendant le confinement, les potes, ma barbe, elle a poussé. Donc là, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos depuis longtemps, vous êtes choqués. Vous êtes choqués par tant de poils. Non. Quoi, tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui, on va aller sur un subreddit. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé sur un subreddit et on va tester celui qui s'appelle Yes, Yes, No. En gros, c'est un subreddit là où ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui commencent à faire une action qui est stylée, mais qui termine toujours mal. Tu sais pas pourquoi. Donc, on va découvrir aujourd'hui ce subreddit parce que vous me l'avez conseillé. Parce que quand je vous ai demandé sur Twitter quel subreddit faire, bah, vous m'avez dit celui-là, il est cool. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu les potes parce que ça aide beaucoup pour que la vidéo soit mise en avant dans l'algorithme. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on commence la vidéo maintenant. Things that make you yes, yes, no, but bad and lee. Je sais pas parler anglais. Ok, on commence avec le premier. Je n'ai pas demandé pour ceci. Ok, mec, je sais pourquoi je le sens pas. Alors, le seul problème avec les subreddits, c'est que la qualité, elle est toujours flinguée. Ok, on commence. C'est quoi ça? Ok. Ah, ils ont créé une montgolfière. Mec, c'est quoi ça? C'est une montgolfière, mais elle peut porter personne. C'est juste une montgolfière. Ils ont, en vrai, là, tu vois, pour l'instant, on est en mode yes, tu vois, ça a l'air de gérer de ouf. Ça gère. Et là, c'est trop bon, on dirait que ça va sur la lune. Les gens, ils sont super contents. C'est obligé, il va se passer un truc de dingue après. 6 and a half hours later. On se fait 5 minutes quand même, là. Ça fait 5 minutes qu'on attend. C'est quoi ça? Oh les bâtards! Oh non! What the fuck, mec, c'est l'apocalypse! Mec! Oh putain, calmez vos oreilles. En gros, je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé, mais en fait, j'avais pas compris. En gros, c'était une montgolfière qui montait et qui après balançait plein de feux d'artifice. Sauf que quand les feux d'artifice sont partis, ils les ont mis dans le mauvais sens. Ils ont réussi à faire une montgolfière, mais pas à choisir le sens pour les, oh, pour les feux d'artifice. Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils sont sortis? C'est ça qu'on veut savoir. Ah, je vois la lumière. Mais c'est, en plus, ça se voyait, ils étaient trop contents, quoi. Ils avaient vraiment réussi leur truc, et là, plah. J'espère juste que personne n'a été blessé. Mettez-le dans du riz. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui va se passer. Mais j'espère que je vais rigoler. Ok, c'est quoi ça? Ok. Bon, là, par contre, clairement, il y a du budget. Tu sais, le mec, il a fait un TikTok, mais avec une putain de caméra 4K. Pour l'instant, c'est stylé. Fat Shark, le requin gros. Oh, c'était si décevant! J'ai mis tellement d'énergie, genre, à regarder cette vidéo. J'étais trop chaud, je me suis dit, il y a un requin, tu sais, ça se passe un truc. Le drone, il a à peine décollé, bam, il est parti dans l'eau. Oh, c'est si triste. Non, c'est vraiment ça la vidéo? C'est pas une blague. Ça, c'est vraiment quand t'es chaud en réalisation, mais t'es claqué pour piloter un drone. Ça arrive tout le temps, c'est faux. Salut bébé. Hey, pizza ou glace? Glace. Ah, alors j'ai peut-être fait une erreur. Tu as commandé des pizzas? Non, j'ai baisé ta sœur. Quoi? Est-ce que je suis le seul à pas avoir compris? Je pense que personne n'a compris. Ok, on va regarder celui-là. Il a l'air cool. Ok, c'est un gros bras de fer. Oh my god! Oh mec! C'est comme si elle avait croqué un Mikado! What the fuck? C'est pas un blason produit. Wouah! Ils ont fait un bras de fer et en fait la fille, je crois, elle se forçait pas du tout, mais le mec, il a mis un truc! Mec, son bras, il s'est décalé. Coupé, décalé. Écoutez bien! Oh. Ah, ça fait mal! Elle dit quoi après? Attends, la meuf, elle s'est cassée le bras, elle a fait: oh, je me suis cassé le bras! Ouh là là! Moi, honnêtement, j'ai un talent. C'est juste casser mes pouces, mais à l'infini, regardez. Vous voyez, je peux le faire à l'infini. Oh my god! Pourquoi elle dit toujours: oh my god, oh my god, I just broke my arm, oh my god, oh my god, oh my god, what the fuck? C'est quoi ça? Mon cousin a tweeté: la famille avant tout, mais m'a toujours rejeté quand je l'ai proposé en mariage. Les liens du sang sont des menteurs et des hypocrites. Il a pas compris lui, il a juste pas compris. What the fuck? Ok, c'est quoi ça? Ok, y a pas de son. Ouh, c'est un, oh putain, c'est un vrai headshot. Mais en vrai, c'est un truc qu'on n'a pas en France, c'est la balle aux prisonniers. Et je crois que je suis content de pas l'avoir eu. Une fois, j'étais parti aux États-Unis, j'ai parlé de ça avec des jeunes de mon âge et tout, et ils m'ont dit que la balle aux prisonniers, c'était la torture. En fait, nous, on croit que c'est stylé dans les films et tout parce qu'ils sont trop forts. Mais il paraît que juste, tu te prends une grosse balle dans la tête toutes les 5 minutes. Donc c'est pas cool. Ouais, mais t'as vu son épée? Oh, il est tatoué, épais, ce mec-là est badass. Mais il a une tête trop gentille. What the fuck? Oh mec, arrête de faire le malin avec ton épée, je suis sûr que ça va mal partir, genre elle va casser ou... Calme-toi. Ah, j'ai peur, arrête. Ah, mais pourquoi il a fait ça? Mais qu'est-ce qui va pas? En plus, il continue normal. Lui, il doit être dans la même famille que la meuf qui s'est cassé le bras, qui était en mode, oh là là, c'est pas très grave. Il s'est balancé une épée dans la tête et tout va bien. Il continue de vivre, il va manger son meilleur taco. Qu'est-ce qui se passe, mec? Qu'est-ce qui se passe? Je veux revoir ça. Mais le pire, c'est qu'il y allait fort. Je suis chamboulé. Attends, il y a mon chat qui veut partir. Morty, tu veux partir? Morty? Tu veux partir? C'est vrai? Tu veux dire bonjour aux abonnés? Regardez, il est là. C'est Morty. Morty, dis bonjour à la caméra. Il cherche la caméra. C'est bien. Ça, c'est le truc chien quand t'as des chats. C'est qu'ils veulent tout le temps sortir et rentrer de ta chambre. Bon, alors, lui, je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a rien qui peut bien tourner après cette vidéo. Ces mecs, hors contexte, tu poses ça dans une conversation, personne ne comprend pourquoi t'as fait ça. En fait, même en contexte, personne ne comprend. Pourquoi? Ouais. Chaque jour, on peut sortir une heure pendant le confinement. Lui, il a rentabilisé son heure, il s'est cassé les couilles.
Moi, ce qui me fume, c'est le petit moment là où tu sais, genre il est juste statique comme ça. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Attends, regardez là. Ce moment là, regardez. Genre là, on dirait un petit pingouin et là, plouf, échoué sur la banquise. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Oh, celle-là, elle est en 1080. Ouais, wow, il y a du budget dans celle-là. C'est sur un chien, ça va forcément partir en chouquette. Ouais, c'est un chien qui tombe. Dans la vidéo de réalité, on veut mieux qu'un chien qui tombe. On en veut deux. Mon grand-père a commencé une chaîne YouTube. Allez, vas-y, Pépé, régale-nous. Ok, ça commence bien. Il est chaud. T'as, vous avez vu ses yeux? Il est super concentré. Je m'abonne direct. C'était trop bien, c'était trop bien. Attends, y a pas le nom de sa chaîne, sérieusement? Oh, c'était trop bien. Regardez ce... Ça se voit qu'il allait commencer. Là, il allait commencer à chanter un truc de ouf, tu vois, genre... il allait commencer à faire du Joule. Et là, d'un coup, la réalité l'a rattrapé. Et le dentier est tombé. Apprends à ramasser ton dentier avant de commencer à chanter. C'est une phrase de Rayton San. Abonnez-vous. C'est quoi ça, hein? Oh, j'ai kiffé les petits animes comme ça, c'est incroyable. Ça, c'est qualitatif. C'est génial! Ça, c'était le contenu qualitatif pour lequel je me suis abonné à ma chaîne. C'était parfait. C'est pourquoi je fais de l'animation. Il est quelle heure? Oh, il est 15h. Ok. Une minute, c'est une nouvelle vidéo qui sort, donc on va la mettre en ligne ensemble. Je sais que ça n'a aucun rapport, mais on va le faire ensemble. Public! Je fais ça tous les jours. D'ailleurs, hein. Tout le monde, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Hein, pour ceux qui l'ont toujours pas fait, j'ai une page Twitter et une page Instagram. Et j'ai même une chaîne YouTube Gaming. Pourquoi vous le suivez pas? J'ai remarqué que mon frère voulait s'acheter une PS4. Ok. Ouais. Ok, mais il avait pas assez d'argent. Il a que des pièces de 1 centime. Donc je lui ai dit que je sortais acheter du lait. Et quand je suis revenu avec une surprise. Oh mec, ça a l'air bien, ça a l'air bien. J'ai vu son sourire. Oh, il a l'air trop content. Et c'était du lait. Bah, il a pas menti du coup, il est juste allé acheter du lait. Je pense qu'en vrai, il a fait ça pour la vidéo, mais en vrai, il a vraiment acheté une PS4. Enfin, j'espère. Parce que mec, sinon le gars, il va juste donner du lait. On sent la détresse dans son regard. C'est dommage que la vidéo s'arrête comme ça, mais c'était génial. Oh, le camping de vacances avec Jackie. Alors il s'est passé quoi là? Je sais pas pourquoi, ça part toujours en chouquette. Ok, elle fait ça. Elle a fait un flop, comme dans toutes mes vidéos. Toutes mes blagues, elle flop. T'inquiète pas, je suis habitué à faire des plats toute la journée. Talent de serveuse. Qu'est-ce que c'est? Elle perdit son job de serveuse, mais gagna un job de danseuse. Tu vois, c'est là où je me dis, en fait, les serveurs et les serveuses dans les restaurants, ils sont incroyables parce que des fois, ils arrivent quand même à retenir toutes les commandes et en plus à porter plein de trucs sur deux mains, plus sur leur tête. Ils sont trop forts, je sais pas comment ils font. C'est quoi ça? Oh, il essaye! Non, en vrai, il a essayé. En vrai, on peut pas nier. Il a essayé, il était chaud. Moi, je respecte. Relatable. Oh putain, comment ça se traduit en français? Quelque chose auquel on peut s'identifier. Apparemment, c'est ça. Vas-y, on va voir si on va s'identifier. Ok. Ok, va-t-il demander une... Il lui demande s'il veut sortir. Elles sont trop méchantes. Elle rigole toute alors qu'il y a que Stacy qui était dans le coup. Oh, c'est si triste. Oh, je suis dégoûté pour lui. Oh non. Mais il a des mentos. Quoi? Quoi? Mentos, the fresh maker. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. C'est vraiment une pub pour les... Non, c'est pas une pub pour les Mentos, vous abusez. Pourquoi quand il a pris un Mentos, d'un coup il s'est dit vas-y, je suis Godzilla, je bute tout le monde. J'ai rien compris à cette vidéo. Rien. Bon, ça commence mal. Dès qu'il y a des verres, dans tous les cas, ça va casser. On s'en doute. Ok. C'est quoi le petit orchestre? Pourquoi j'ai pas ça dans mes vidéos? Pourquoi j'ai pas un petit orchestre derrière moi? Genre dès que je fais une blague, une petite batterie qui fait la... Non. Pourquoi c'était bizarrement satisfaisant? C'était trop bien. J'ai kiffé mon pote. Dommage que c'était de graves soins et il y a juste ça qui est parti en chouquette. Le petit oiseau va enfin prendre son envol. Allez, vas-y. Il a enfin appris à voler. Et le chat l'a bouffé. Ça, c'est vraiment le résumé de notre vie. On prend toute notre vie pour apprendre à s'envoler, pour qu'un chat nous bouffe. C'est exactement le résumé de ma vie. Mais regardez, mec, c'est dommage qu'on ait pas le son de la vidéo, parce qu'en vrai, c'était un... Bon, c'était triste. En vrai, c'était très triste. Mais c'était un peu drôle, quand même. Ah, mais il y en a certains, c'est les mêmes, ça me saoule un peu. Le dernier chien est littéralement dans le mood depuis que la quarantaine a commencé. Donc, on lui a donné un challenge. C'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est moi quand vous mettez des bons commentaires. Je me sens comme ce chien. Je comprends pas. Ok. Ah, ça, c'est d'année en année ou c'est d'autres chiens? Non, en fait, là, ok, donc là, ils sont contents. Ah, ok. Et ça, c'est le chien qui est sourd. En vrai, c'était génial, mais le dernier Dogo, c'était si triste. Parce... Mais en vrai, si tu le mets hors contexte, il a juste l'air si blasé. Ah, ça me rend triste. Bon, celle-là, je vous la montre, mais je l'ai vu passer sur Twitter, elle est incroyable. Oh non. Du coup.
je pense qu'il y en a pas mal qui... En fait, il y a deux teams dans les commentaires. Ceux qui vont comprendre cette vidéo et ceux qui vont pas du tout comprendre. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont pas du tout comprendre pour les plus... Mais c'est si drôle. C'est quoi ça? Pendant ce temps-là, en Floride. Quoi, je sens que tout va partir en chouquette. C'est quoi? Ah, c'est un serpent! Oh, le serpent nageur! Oh, le serpent nageur! Non, non! Billy Joe, calme-toi! Ouais, mec, c'est si... terrifiant, le serpent... Mais t'es un malade, Billy Joe! Mais ce Billy Joe, quel homme! Tellement alcoolisé! What? Ah! Mais c'est des malades! Billy Joe! Hey, cette vidéo, elle est incompréhensible. Le serpent, pourquoi tu l'as pas lancé plus loin dans la forêt? Pourquoi tu l'as lancé sur tes potes? En plus, maintenant, il vient en direction du bateau. Y a rien qui va. Ce serpent, il a pas été invité à la fête et il reviendra jamais. Je vais en catcher un gros. Oh non! Le gars, il avait un pied de trop. Un pied de trop. Ça se trouve, en vrai, ça se trouve, on sait pas, mais il a attrapé le poisson. Hein. C'est vrai, il l'a fait? Non, il l'a pas fait. Mec, c'était si bien parti. Ah, c'est triste. Ouais. Ça, c'est un peu satisfaisant, on va pas se mentir. C'est un peu satisfaisant. Moi, j'aime bien. Je sais pas si vous aimez bien. C'est un peu long, par contre. C'est très long même. Qu'est-ce qui va se passer? On attend tous la fin. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Genre la porte elle tombe? Ça c'était sûr. Oh non. On l'a tous vécu. On a tous un truc dans notre maison qui a fait ça. Vous savez quand tu décolles par un autocollant et qu'il reste juste le petit bout d'autocollant qui est resté. T'as la haine. Le pire c'est le scotch. Parcours, parcours. Ok, j'aime bien le parcours moi. Là il chauffe son pote. Allez, allez. Parcours, parcours, parcours. Extrême parcours. On peut revoir ça s'il vous plaît? C'est quoi ça? Le gars il a... Il est juste tombé dans les oublis. J'espère juste qu'il s'est pas fait mal encore une fois. Attends, c'est quoi ça? Non mec, c'est sûr c'est un mauvais bail ça. Il y en a un qui a bu trop de... qui a mangé trop de trucs à midi et du coup ça va faire une catapulte. Oh! Non! Mais vous êtes... Mais non, mais c'est des dominos les vieux, mais c'est impossible. Mais un truc que je pige pas, pourquoi vous mettez sur un truc aussi instable des gens qui ont des béquilles? N'hésitez pas du coup à mettre un méga pouce bleu, ça aide beaucoup à la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo le plus possible, à me suivre sur Twitter et Instagram. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et si vous avez encore le temps, d'autres vidéos à regarder. A plus, c'est Rayton et ciao.